La musique ivoirienne est en perpétuel mouvement. La créativité à tous les carrefours. En 2013, les courants zouglou et coupés décalés ont marqué l'année grâce à l'originalité des textes et des concepts. Serge Benoît, Debordo, Arafat, Magnifique, entre autres, ont apporté rire et joie aux Ivoiriens. Le déferlement des artistes nigérians semble bouleverser les tendances et la consommation ivoirienne en matière de musique. Les Ivoiriens s'expriment sur les artistes et concepts qui ont marqué l'année 2013. Des avis bien partagés. L'artiste qui aurait marqué l'année 2013, c'est toujours le même, hein, Arafat, qui avait ses concepts. Mais le concept qui m'a plus marqué, c'est le dernier concert Yaya, qui vraiment fait tache d'huile dans les bars et les marqués d'Abidjan. Pour moi, au niveau du coupé décalé, c'est Serge Benoît. Au niveau du zouglou, je pourrais dire je sais plus réel, voilà. Certains n'ont pas manqué de faire des recommandations. Pour l'année 2014, j'aimerais dire à tous les artistes de s'améliorer, les DJ comme les Zougloumans, pour que 2014... nous soyons encore plus motivés par les chansons, par les concepts. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, mais on veut plus parler aux DJ de donner des conseils, quoi. Je crois qu'ils doivent revoir un peu leurs habillements, parce que ça fatigue nos enfants, en fait. Sinon, ça égaye le peuple, c'est amusant. De la joie, de la gaieté, les Ivoiriens en ont connu en 2013 grâce aux artistes de Côte d'Ivoire. Thank you.